Coucou tout le monde, donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque là je suis dans ma voiture et je vais vous emmener avec moi durant une journée de shopping à Paris, enfin en région parisienne. Je vais rejoindre le truc de fille qui doit être bientôt arrivé. Nous on est encore sur la route. J'ai acheté avec Truc de Fille durant cette journée shopping. Donc on a commencé au centre commercial Vallée Village et Val d'Europe, il me semble que c'est ça le nom du centre commercial, mais je suis plus très sûre. Donc on a commencé à Val d'Europe où j'ai acheté des sous-vêtements chez Ethan que je ne veux pas vous montrer, et ensuite moi j'ai tout acheté au Vallée Village, donc au magasin des Griffés. Donc je vais commencer avec Michael Kors. Donc la dernière fois que j'y avais été, j'ai acheté un sac et un porte-monnaie. Je voulais le portefeuille qui allait avec le sac, mais malheureusement il n'y était plus. Quand il y a quelque chose qui vous plaît là-bas, tardez pas parce que ça part très très vite. Et je voulais également la coque pour iPhone que j'avais vue la dernière fois, et il n'y en avait plus non plus. Du coup je me suis rabattue sur un autre portefeuille qui est un peu similaire au porte-monnaie que j'avais pris la dernière fois. Donc c'est celui-ci. Donc il a un aspect brillant croco que j'aime beaucoup, avec la plaque dorée comme la dernière fois. Sur la fermeture éclair, il y a le nom de la marque, et en plus de ça nous avons une petite anse pour le porter à la main si on veut le prendre en soirée et prendre que ça. Donc je trouve ça vraiment pas mal, on peut l'enlever si ça nous gêne.
Et ensuite, l'intérieur se présente comme ceci. Donc, ça se présente comme ceci, donc avec des rangements pour carte de fidélité ou autre. Là, nous avons un grand espace entre deux. Le truc que j'ai adoré, qui m'a fait craquer, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est qu'en fait, il y a un espace pour mettre son iPhone ou son téléphone portable. Et moi, j'ai trouvé ça au top. Alors, c'est un truc que j'ai adoré. Et ensuite, pareil, nous retrouvons la même chose que l'autre côté, donc l'espace assez grand et les porte-cartes. Donc voilà, et celui-ci, je l'ai payé 59 euros au lieu de, il me semble, 120 euros ou un truc comme ça. Donc ça valait vachement le coup. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas hésité super longtemps. Ensuite, je voulais des hugs à la base. Et vu le prix que ça coûte, j'ai laissé tomber puisque j'ai été voir également dans la boutique. Et ça coûtait vraiment extrêmement cher et je voulais absolument m'en acheter, même si c'était chez Mime ou autre. Mais je suis tombée sur une paire qui m'a beaucoup beaucoup plu, donc c'est chez Armani Outlet. Donc là c'est la gamme junior, donc il faut aller voir dans la gamme junior. Ils font des chaussures très très belles et les mêmes que dans la gamme adulte. Donc je vais vous en montrer qu'une pour le moment. Donc elle ressemble à ça. C'est du vrai cuir, j'avais vu ça sur la semelle, oui, donc c'est du vrai cuir, la semelle est en synthétique et le reste c'est en fourrure. Donc elle se présente comme ceci, elle est un peu beige marron, mais pas vraiment beige, le beige beige, je dirais plus un beige marron. Ensuite on a de la fourrure blanche et ici on a un petit scratch pour resserrer ou desserrer la chaussure. Et dessus, il y a le petit signe Armani. Donc l'intérieur est vraiment très très bien fourré. Donc moi j'ai pris du 39. Elodie a pris du 34, il me semble, puisque sa taille un peu grand. Mais moi, étant faisant du 38,5, le 38 était vraiment trop petit, donc j'ai pris 39. J'ai payé 109 euros cette paire de chaussures au lieu de... Je crois que c'était 150 ou 200 euros, donc j'ai fait quand même une belle économie, surtout qu'elles sont magnifiques. Et elle qui a un plus petit pied a payé beaucoup moins que moi, elle a payé 102 euros. Donc si vous avez un petit pied, il est possible qu'il soit moins cher que un pied adulte, on va dire. Puisque c'est considéré comme femme les 39, 40, 36 jusqu'à 41. Donc voilà les deux, elles sont vraiment magnifiques, j'adore vraiment beaucoup et je regrette pas du tout de les avoir achetées puisque j'ai fortement hésité tout au long de notre balade shopping et elle a bien fait de me dire de les prendre parce qu'après je les regrettais puisque je les avais vues en même temps qu'elle et on avait trop craqué. Donc voilà pour le premier centre commercial. Ensuite, on est parti chez Val d'Europe, n'importe quoi. Je dirais complètement, je suis fatiguée d'hier. On a été au Paris Nord, au centre commercial au Paris Nord. Et on a été à Miss Coquine. Donc j'ai pris deux paires de chaussures, donc une paire de bottes et une paire de ballerines. Donc on va commencer par la paire de ballerines qui m'a coûté 10,90€, donc c'est vraiment des petits prix là-bas. Par chez moi, ils sont beaucoup plus chers. Du coup, je me suis pris une paire seulement. J'aurais peut-être dû en prendre plus, mais bon. Et j'ai pris cette paire de ballerines là, donc elle est noire avec un nœud en strass. Elle est vraiment très très belle. Moi, j'adore, elle est très simple, mais le nœud fait tout. Et moi, les strass, c'est une grande histoire d'amour. Donc à l'intérieur, ce qui est bien, voilà, vous voyez bien la forme, c'est qu'en fait, il y a des... une espèce de coussinet qui est très rembourré, du coup ça permet d'avoir moins mal aux pieds. J'ai trouvé ça super pour 10 euros, donc je les ai pris. Et en plus de ça, ils nous offrent des petits strass à recoller si des fois on en perd. Donc franchement, j'étais super étonnée et j'ai bien fait de les prendre. Je me regrette peut-être même d'en avoir pas pris plus. Et ensuite, je me suis pris une paire de bottes. De bottines, on va dire, bottines,
que j'avais vu par chez moi beaucoup moins cher sur un marché, mais la personne là, je ne savais pas si elle allait revenir. Et en fait, ce qui m'avait fait hésiter par chez moi, c'est la forme de la chaussure que je n'ai vraiment pas l'habitude, mais j'avais adoré sur les côtés, donc je l'ai prise. Je ne sais pas si je la mettrai tout le temps, mais je l'ai prise quand même. Donc c'est cette chaussure là, voilà pourquoi j'ai craqué, parce qu'il y avait énormément de strass et j'avais beaucoup aimé. Derrière il y a une fermeture éclair qui s'ouvre, donc vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Et en fait la forme de la chaussure devant fine comme ça m'a fait beaucoup hésiter, mais en les mettant 5 minutes dans le magasin ouvertes comme ça, ça allait quoi. Si je les ferme non, mais si je les ouvre ça va, on est très 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 confortable dedans. Et j'adore vraiment ce côté-là. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui m'a fait craquer. Les strass auront ma peau. Et je les ai payés 30,90€ malgré tout. Je trouve ça quand même assez cher, sachant que par chez moi, elles étaient à 15€. Mais j'avais peur de ne plus les retrouver parce que sur les marchés, souvent les modèles partent très très vite. Ensuite, on a été dans un magasin chinois aussi qui s'appelle, je ne sais plus comment, je ne sais pas si j'ai le ticket de caisse dedans. Non, je n'ai pas le ticket de caisse et je ne sais pas du tout comment il s'appelle, ce magasin. Mais vous pouvez en retrouver partout parce qu'on en a vu également à Miss Coquine. C'est cette petite veste gilet, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc c'est très dur à vous montrer, mais de toute façon je vais vous faire des tenues du jour. Donc en fait tout le devant est assez... Enfin, il n'y a pas de fermeture éclair en fait, c'est vraiment évasé sur le devant et j'ai beaucoup aimé. Donc les manches et le derrière est noir. Je vous conseille de l'essayer parce que ça taille quand même assez petit, surtout si vous êtes grande. Et en fait, sur, y a deux fermetures éclair, je ne sais pas si c'est des vrais, j'ai pas regardé. Oui, c'est des vrais, donc c'est parfait, j'adore. Et elle est vraiment très chaude puisque on avait le choix à force d'essayer. Donc voilà cette petite... ce petit pull, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Donc ça fait ça devant. Et j'ai payé 28,99€. Donc pareil, celle-ci, je voulais la prendre par chez moi et je me suis pas décidée. Du coup, je me suis décidée à Paris. Donc ensuite, je suis allée chez Pimkie et la première chose auquel j'ai craqué, c'est un jean. J'en avais déjà parlé, je recherchais un jean totalement destroy puisque le mien ne m'allait plus. Et j'en ai trouvé un chez Pimkie pour 35,99€. Donc c'est un bleu assez brut avec des taches. Et il est destroy jusqu'en bas du genou. Et en fait, je pense qu'à force de le laver, il va s'agrandir comme j'aime. Donc comme on peut voir, on voit un petit peu la peau. Ils n'ont pas mis de tissu... en dessous du destroy pour pas voir la peau, mais moi ça me gêne absolument pas puisque j'adore quand c'est comme ça. Le jean est vraiment très très confortable, il doit avoir de l'élastane dedans puisque il est vachement élastique. Et le derrière est assez simple, ils ont juste un peu fait un petit rappel ici, mais pas destroy jusqu'au bout, avec deux petites poches comme je les aime, bien délavées au niveau des fesses, et il part en skinny puisque je crois que c'est un skinny, oui, donc il est assez collant. J'ai pris du 36, donc si vous le voulez, méfiez-vous, essayez-le, parce que d'habitude je prends du 38 et là le 36 était juste parfait. Et ensuite là c'est un petit coup de cœur que j'avais eu sur le haul d'Elodie, son dernier haul. Elle avait trouvé chez Pimkie une espèce de gilet, mais pareil que l'autre, donc il n'y a pas de fermeture éclair ni rien devant. Et elle le portait hier, et franchement, j'ai adoré. Et du coup, il me le fallait absolument. En plus, on a extrêmement les mêmes goûts, du coup, bon. Moi, ça me gêne pas, hein, elle non plus, mais j'ai été l'acheter parce que je le trouvais vraiment très très beau, et en plus, celui sur elle, ça lui allait très très bien. Donc en fait, c'est un gilet comme ceci, avec les manches un peu chauve-souris. Et en fait ce que j'ai adoré, hein, c'est juste pour ça que je l'ai acheté, c'est parce qu'il est bimatière et en fait le devant est tout en voile et le derrière est un peu chiné comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez léger, hein, c'est pas pour l'hiver, c'est pour la mi-saison là, mais j'ai adoré, les manches arrivent au niveau du coude. Donc voilà pour ce joli gilet.
que je pense aller me racheter très prochainement en blanc, puisqu'il est en blanc. Après, à voir, parce qu'il faut que je le porte pour le voir, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai payé 25,99€. Et comme je disais avant, le blanc, c'est assez dur à porter pour ma part, je trouve. Donc ensuite, j'étais dans un magasin qui s'appelle Blue Shop. Je le marquerai ici parce que je ne suis pas sûre de la prononciation. Donc j'ai acheté pas mal de petites choses dans ce magasin-là, dont des accessoires et des vêtements. Donc premier accessoire que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est un rat-de-cou avec deux ailes d'ange, donc il est vraiment magnifique. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros ça donne ça. Il est vraiment très très beau et je l'ai payé 9,99€. Je sais qu'il est recherché par pas mal de gens sur Facebook et il y était également en doré, mais moi je l'ai pris en noir. Et ensuite j'ai pris une manchette argentée, puisque moi je suis beaucoup plus argentée. Donc elle est toute simple, vraiment toute banale. Et je trouve qu'elle était moins chère que dans les autres magasins, puisqu'on en a vu pas mal durant cette journée. Et là, je l'ai payé 7,90€, donc je trouvais ça assez raisonnable. Ensuite, je me suis prise un t-shirt. Donc, je vais démêler tout ça. Donc, c'est plutôt un Marcel qui se présente comme ceci. Donc, devant, il est tout frangé. Il est bien sûr doublé, mais par contre, le dos n'est pas doublé et lui est transparent, donc un peu en voile. Et je l'ai payé 16,90€ et c'est une taille unique. Et il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs. Il y avait blanc, rouge, bleu. Il me semble aussi qu'il y avait kaki, mais moi je suis pas très fan du kaki sur moi. Ensuite, j'ai pris une espèce de legging skinny, encore une fois, qui est un peu aspect, je dirais, imitation cuir, enfin semi-cuir. Donc c'est un peu aussi un peu huilé en même temps, c'est un peu dur à décrire cette matière-là. En fait, sur les poches de devant, il y a des fermetures éclair en déco, puisque c'est des fausses poches. Sur le genou, il y a une espèce de, on va dire, des petits traits, je sais pas comment ça peut s'appeler, mais c'est très joli sur le genou. Et ensuite, il y a une énorme fermeture éclair au niveau de la cheville qui est dorée. Et derrière, c'est tout simple, donc c'est deux petites poches avec des petits boutons dorés. Donc il est vraiment très simple, mais porté, il est très très beau, il fait très très bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, je ne sais plus si je l'ai dit, je l'ai payé 32,90€ et il taille assez bien. J'en avais vu un deuxième qui me plaisait beaucoup, mais il taillait très très mal. Moi qui fais du entre 36 et 38. Le 40 ne m'allait même pas, donc comme ça j'ai laissé tomber. Ensuite j'ai pris une chemise en jean toute banale. En fait, l'originalité en fait, c'est juste les strass au niveau des épaules que j'ai beaucoup aimé. Elle est délavée au niveau du bas, donc elle est blanche limite, et derrière au niveau du dos, du haut du dos. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celle-ci, je l'ai payée 29,90€. Donc je trouvais que c'était assez raisonnable. Et en fait, sur les petits boutons, c'est blanc. Donc c'est vraiment mignon. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Je vérifie, mais oui, j'ai fini. Donc c'est déjà pas mal. J'ai pas mal craqué. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye bye!